Charlie, je vais te demander dans quelques instants d'ouvrir le livre n'importe où tu le souhaites, d'accord? Tu ne me diras pas le numéro de page où tu es, parce que personne, certaines personnes pensent que je connais ce bouquin par cœur, ça pourrait être possible. Taré, ça pourrait être taré. Il n'y a rien d'autre à faire dans son lit le soir. Je ne quand tu ouvriras ce livre où tu veux, tu arriveras sur une double page. Donc, et n'importe où dans cette double page, Charlie, je vais te demander de ne pas choisir n'importe quel mot. Je m'explique, tu ne choisiras pas les petits mots. Les ceci, cela, avec, pas très compliqué à trouver. Tu ne prendras pas non plus les noms propres, c'est-à-dire les noms des villes, des rues ou encore des personnages dans Les Misérables, Cosette, Javert, Valjean, Paris. Ce n'est pas très, très excitant tout ça. Je vais te demander de trouver un mot assez long pour que ce soit sympa. J'entends par long 7-8 lettres minimum. Hein. Ça peut être plus, bien sûr, mais vraiment un mot assez long. Assez contraignant. N'importe quel mot long de la vocabulaire français, un mot bien, parce que plus c'est long, monsieur, plus c'est bon. Compliqué. Ouais. Trop compliqué. Ouais. Anecdote, c'est bon. Ok pour toi ? C'est bon, je t'ai déjà pas oublié, c'est bien long. Est-ce que tu peux te répéter ce mot dans ta tête, syllabe par syllabe ? Juste syllabe par syllabe, en les détachant bien les unes des autres. Effectivement, il est bien long, il y a bien plus que 7 lettres là-dedans. Une bonne dizaine de lettres, c'est sympa, c'est intéressant. Je pense que c'est un mot, tu n'auras pas besoin de dictionnaire pour voir ce que ça veut dire, tu vois exactement ce que veut dire ce mot, mais je pense pas que ce soit un mot que tu mettes dans toutes tes phrases comme ça, c'est un mot qui reste occasionnel, n'est-ce pas? Ouais. Est-ce que tu peux penser à la première lettre de ce mot, uniquement la première lettre? Jennifer. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la première lettre de ce mot, s'il te plaît? C'est un D. Un D? Ouais. Un D, pardon? Un D? D. Ah oui. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, penser à l'ensemble du mot? Charlie, s'il te plaît, pour la première fois, quel est le mot que tu as choisi n'importe où dans le livre? Décontenancé. Ah oui, ça se complique légèrement. Hein. Ça vous parle? Je vais demander si vous avez tous des téléphones. Vous comprenez? Je vais demander pour rendre sur Internet. Non, j'ai pas de réseau pour Internet. Ouais. Sur Internet, vous n'avez pas d'idée en Google, donc cherche Google, ça ne sert à rien, vous allez directement aller dans la barre d'adresse parce que ma prédiction est en fait une URL précise du site ledico.org, c'est un dictionnaire en ligne. Ma prédiction, c'est ledico.org/1944, une page précise donc de ce dictionnaire. Je vais demander de vous y rendre dessus, vous tapez ledico.org/1944, vous faites accéder